protéger un site en zone inondable, on commence par définir une cote de protection cible, au moins centennale. Puis, on assure la protection des réseaux en profondeur avec des vannes ou des ballons obturateurs. La troisième étape consiste à empêcher l'eau d'atteindre les bâtiments. Enfin, il faut pomper les eaux de fuite et les rejeter côté inondation.